Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce deuxième épisode de The Legend of Steve. Alors donc la dernière fois on s'était quitté, on avait fini la quête des quatre gardes, on va dire, du capitaine, qui nous avait donné donc un livre à rendre à la librairie. Donc on va s'empresser de faire ça tout de suite, parce que mine de rien je suis toujours pas sorti du village. Et je trouve que ça fait un peu... Alors, la librairie, elle était par là. Je crois. Alors, oui, ouais, voilà. Alors, j'ai un livre. Un reçu. Ok, j'ai un reçu, qu'est-ce que ça fait? Ben là, je sais pas trop ce que ça a fait. Bon, je lui ai rendu le livre. Peut-être qu'il faut que je retourne voir le garde. Alors juste, j'ai pas lu le livre là de 22 pages. Je suis juste allé tout au bout parce que, bon, j'ai essayé de lire, mais au final, à partir de la page 2, ça m'a saoulé. Et tout au bout, il y a marqué ça. Les coordonnées d'un cookie. Donc bon, je pense que on va garder le... Mince. On va garder quand même les coordonnées sous la main. Alors juste que je les note vite fait, ça m'évitera de prendre le livre et d'avoir à passer surtout les pages à chaque fois. Alors hop là, voilà. Est-ce qu'on en est loin? C'était 189 quand même. Non, c'est plus par là-bas. Alors c'est plus par là-bas. Est-ce qu'on y va maintenant? Mmh. 268. Bon, on peut essayer. Hein. Warmark, non. Vous savez quoi, je vais quand même finir, parce qu'il y a des plaques de pression, je vais quand même finir... Le village, quoi. Parce que sinon, je m'en sortirai pas. Alors, juste le reçu. Je vais voir si... Il faut que je le rende... Il faut que je le rende au capitaine. Bah non. Tiens, t'as reçu, mais non mais... Bon ben, bon, on va le garder. Qu'est-ce que... Ouh, protection 1 quand même. Je sais ce que je voulais faire d'autre aussi. Étant donné qu'on a des fleurs rouges, il y en avait un qui nous les achetait, et il est dans cette maison, je crois. Je crois, oui. Et, voilà. Ça fera toujours des rubis. Pourquoi c'est pas les mêmes? D'accord. Bon, du coup, on a racheté nos cisailles, mais je comprends pas. Bon, bref. Oui. Bon. Alors, autre chose. Un Uku Shop. Juste, j'ai lu vite fait ça. Et c'est un sorte de... d'item qui permet de revenir ici. Pour sauvegarder, en gros, si on a trop d'items dans notre inventaire, on peut revenir à notre maison et en sauvegarder dans notre coffre. Seulement, je sais pas où est l'item Uku, je crois que ça s'appelle. Uku, oui. J'ai essayé, on verra bien, de toute façon. Donc, cette partie du village, c'est faite. La taverne, c'était faite. Ça, c'était fait, je crois aussi. Non, c'est de ce côté-là, on l'avait pas fait. Gabora, il... J'ai un pantalon, oui. Ouais, mais c'est mieux, quoi. C'est nul ce que tu vends, oui, mais je l'avais déjà dit en plus, parce que je l'avais vu au premier épisode, celui-là. Oh. Tu veux un papier? Ah, j'hésite trop à le jeter. Bon, tant pis. Va... Tiens, un papier. Oh. Si, c'est ça. Bon, bah, il n'y a pas de quoi. Attends. Des... Ah, bah, parfait. Bon, bah, il m'a remercié en me donnant une pioche. Là c'est vraiment inspiré Zelda sur le coup, parce que c'est des... Les items qu'on reçoit souvent c'est à dégâts, c'est un peu n'importe... Enfin c'est... Un peu random. Tu vends pas mal d'armure toi? Ah par contre... Ah oui par contre... Wow. Alors ça c'est 100 rubis. Ah mais c'est cool quand même, protection 4.
Café. Il est nul son nom. Bon bref. Alors du coup ça j'y avais été, c'était la tour de la garde. Du coup je suis en train d'hésiter. Là j'y suis allé. Je suis en train d'hésiter parce que bon, on a fait pas mal de maisons. Ouais, non, si, en fait, j'ai rien dit. Et lui, oui, oh oui, lui, il me donne 100 rubis pour de la glowstone. Donc, dès qu'on en a, je pense, ça peut être pas mal. Le shop, ça, on l'a fait. Attendez. On peut passer par là? Ah si, on peut les sauter, ça. Celle-ci qu'on peut pas sauter. Toi, tu fais rien, toi, tu sers à rien. Et toi non plus! En même temps, les gars, être deux pour garder une vache, bravo. Ouh! Attends, mais il faut que je regarde, moi. Oui. Je passe à côté de... de fleurs rouges. Ouah, mais là, ça va me faire des... ça va me faire vraiment beaucoup de rubis. Hein. Vous savez quoi? Je vais faire une ellipse le temps que je ramasse toutes les... toutes les... mince, toutes les fleurs rouges. Comme ça, on aura masse de rubis et... ouais, non, si, je vais juste finir au moins ce bâtiment, puisque c'est le dernier du village. Je crois qu'on a tout vu, après. Ah, c'est la prison. Et puis après, je ferai une ellipse. Salut! Et toi, est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai rien fait de mal. Alors, juste donne-moi une pioche. Bon, bah, c'est cool. Je te donnerai une soupe de champignons. Bah écoute... ouais. Ça me semble juste. Ça me semble juste. Bah y a pas de quoi, ça conne. Je sais pas ce que tu vas faire, mais à mon avis, si on t'a libéré, t'es peut-être utile plus tard. Peut-être tu vas nous saouler. On sait pas. Ouais, remarque, ça pourrait être sympa de voir un peu ce qu'il va faire lui ici. Ah, il s'est échappé. Oh, il s'est déjà échappé. À peine je suis sorti. Ouais, mais du coup, je peux venir de l'autre côté et regarder ce qu'il y avait dans le coffre. Bon, Sakon s'est échappé. Sakon, ça me rappelle un truc, ça c'est dans un manga, non? Un cookie! Un cookie. Bon, voilà. C'est bien, on a bien commencé l'aventure. Hein. À peine on commence, on aide un prisonnier à s'évader. Non, non, c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors, la mushroom stew, par contre, stew, je sais pas du tout à qui il faudrait la trade. Parce que je sais qu'il y avait une histoire de bol et de... ah, mais je suis con. Voilà. Mais je me casse la tête. Et je crois que c'était lui qui voulait un bol. Ouais, voilà. Can find terre, voilà. Alors merci, il y a un con il y a des cookies partout autour de du monde, enfin partout dans le monde. Combien peux-tu en trouver? Ah mais oui, mais ça c'est lui qui tonne, c'est lui qui me le disait. Ah oui. Ah oui d'ailleurs, d'accord. Ça c'est important les cookies, on va dire, ouais. Donc je sens que si je les garde dans mon inventaire, je vais les manger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ramener chez moi. En vitesse. Je vais mettre les cookies dans un truc. Le rubis aussi, tant qu'à faire. Ça, je vais le garder. De toute façon, je suis en mode aventure, donc à la limite, si je meurs, je perds pas les trucs. Normalement. Ouais, non, je ferai après. Normalement, normalement. Et du coup, la torche, c'était pour l'église. Je crois qu'on aura fait un peu tous les trails du village, et du coup, c'est cool. Oh. Oh ben y a pas de quoi. Et il m'a même pas dit merci, le gars. Oh. Sérieux? Ouais. Ça c'est pas mal ça. Parce qu'ils vont me looter pas mal de rotten flesh, je pense, les zombies, on va en avoir pas mal. Waouh, mais il faut vraiment que je regarde les trades. D'ailleurs, celui qui m'a looté, juste en vitesse, celui qui m'a looté un... enfin, qui m'a looté la torche, qui m'a donné la torche, est-ce qu'il y a d'autres trades? Non, de débloquer? Non. Pas du tout. J'espère que je l'ai pas fait glitcher, hein, que c'était que la mushroom stew, il fallait bien la manger, et comme ça on avait le bol et on pouvait continuer. Ah pff, oui. Parce que sinon.
Ouais, tant pis, je pense que c'était ça, hein. Je pense que c'était ça. Allez. Eh ouais. Il m'a dit, wow, tu en avais vraiment, merci. Merci une tonne. Ouais, je sais pas, ça doit être une expression, ça. Ah oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait, eux? Billy? Ah oui, lui, il me donnait de la viande. Oh! J'avais zappé, mais c'est... C'est quand même sacrément énorme. Ah, je m'achèterais bien une potion de régène. Mais je pense qu'on va quand même tester la difficulté des temples. Un peu, quitte à mourir la première fois. Ce sera pas si grave. Ouais, voilà. Et puis on verra. Et puis on verra, ouais. Alors, donc, du coup, comme j'ai dit, je pense que je vais faire une ellipse. Juste le temps que je fasse la chasse aux fleurs rouges. Comme ça, j'aurai pas mal de rubis. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc je vous retrouve. J'en ai ramassé 22. Ce qui est pas mal, hein, ça va nous faire quand même pas mal de... Mince. Pas mal de rubis. Et pas mal d'XP. Ah oui, c'est vrai, les trades, ça donne de l'XP. Bah, c'est super. On a débloqué, du coup, pas mal de rubis. J'ai presque envie d'aller voir au... Non mais d'aller voir au pas à la taverne, pas au restaurant je veux dire. T'as d'ailleurs à la taverne ils vendaient des trucs. Là ben pour 5 rubis il y a l'Iron Sword. Après j'ai pas débloqué encore l'arc et les flèches. Ah d'accord mais si c'est inspiré des jeux Zelda à mon avis c'est dans l'ordre. En fait ça on va le débloquer dans le premier temple. Ça dans le deuxième temple, etc. Je dis ça, j'en sais rien du tout, hein, mais y a pas un cube là, là. Ah non, je peux passer. Ouais. Je dis ça, j'en sais rien du tout, mais j'aimerais bien, ouais. Il est où le creeper? Shop creeper. Non, merci, c'est bon, je t'ai déjà acheté un truc. Il est énorme le creeper. Qu'est-ce que je voulais voir? Parce que là on va y aller maintenant. Du coup on va commencer à s'intéresser. Donc juste là-dedans il y a des solutions. Vous voyez, walkthrough, je crois que ça veut dire solution. Donc j'ai pas regardé, hein. J'y ai pas regardé, je le promets. Parce qu'à mon avis ça doit être envers la solution du temple de la forêt, de la lave, de l'eau. Temple final. Ouais, temps final, et ça je sais pas en fait. Ça non plus je sais pas, trading quest, cookie, à mon avis c'est les emplacements, la cookie c'est les emplacements des cookies. Mais genre si j'arrive pas à tous les trouver. Et j'ai pas super envie de regarder, donc en fait on vient là juste pour voir la quête, la quête, la carte. Donc nous on veut aller au temple de la forêt, donc je pense que c'est ce gros arbre. Ah ouais! J'avais pas fait gaffe, ouais, ça doit être un gros gros arbre. Après, je pense, bah, le temple de l'eau, il est là, mais ce sera le temple de la lave, du feu, qui doit être dans la montagne. Mais bon, pour l'instant, nous, on va se diriger donc plein ouest. Plein ouest, donc en direction du temple de la forêt. On va enfin partir de ce village, voir un peu ce que ces plaques de pression font. Alors, on est parti. Ça fait rien du tout. Tu t'en bats les couilles, toi, qu'on parte. Hein. Bon, c'est pas grave. Là aussi, hein, je les ai vus, mais j'ai pas osé passer sur les plaques de pression, justement. À mon avis, peut-être en revenant, la tour qu'on a vue là-bas doit avancer. Donc, je vais pas appuyer sur les plaques de pression. Déjà, ça c'est sûr. Je sais pas. Hein, je dis ça vraiment total random. Alors ça doit aller vers l'eau, hein. Nous c'est vraiment l'ouest hein, qu'on veut aller. Allez, allez, comme ça. Montagne. Non c'est pas la montagne. Oh, on va suivre le chemin, mais c'est pas la montagne moi que je veux aller. Je suis le chemin, hein. Normalement je dois aller plein ouest. Ouais non, c'est bon, c'est ça. Normalement, je pourrais aller tout droit, mais ça fait quand même moins roleplay, je trouve. Non, et puis pour une map aventure, c'est bien. Alors, comme je suis en rendu de distance quand même assez, enfin pas mal,
Par contre, je sais pas si je continue de sprinter en sautant. C'est vrai que ça fait aller plus vite, mais... Où? Ah, il y a Skull Kid. Fan de Link. Enfin, fan de Zelda Majora's Mask vont comprendre. Pardon. Oui, du coup, il y a Skull Kid, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Où est-ce que tu penses aller? Où est-ce que tu penses aller? On va rencontrer Skull Kid. Je vous reprends, j'ai eu un petit problème avec la vidéo. Je refais juste ce passage, on va dire. Parce que en fait, j'ai eu un problème en fait avec cette partie, justement. Donc je vous refais juste ce passage. Ce qui est dommage, c'est que, bon, voilà, là le pont a été cassé, et on avait dans le chat Skull Kid qui nous disait fais attention où tu mets tes pieds. Enfin, il y avait des... Ah, c'est dommage que ça n'avait pas record, parce que, bon, bref. Donc je vous montre au moins. Là c'est juste le passage pour aller jusqu'au temple, hein. Mais heureusement d'ailleurs c'est pas plus. Mais bon, sur cette vidéo il y avait quoi, 4 minutes de vidéo. C'est pas énorme, mais bon, en fait là il y a eu pas mal de fight. Il y a eu pas mal de squelettes qui ont popé. Donc ça c'est dommage. C'est dommage que je l'ai raté par contre. Il y a une autre route là? Ça je l'avais pas vu justement. Non. Je sais pas, ça m'avait mis en doute ça. Oui, du coup, ben pas de fight. Tant pis, hein, il y en aura d'autres. Là c'était juste quelques squelettes. Avec Skull Kid qui nous disait fais attention derrière toi. Mais c'était lui qui les invoquait, je crois, les squelettes. Enfin c'était pas mal. Donc voilà en fait. Donc ce sera plus court, je pense. Oula. Je crois que je vais baisser un peu le son. Attendez 2 secondes. Ah, je pense que ça ira mieux. Enfin, je sais pas, je verrai au montage de toute façon. Mais j'avais l'impression que c'était un peu fort. Alors, donc voilà l'entrée du temple. On va y entrer. Donc ça me donne un œuf, mais ça fait popper aussi des mini-zombies. 4 mini-zombies à chaque fois. Je commence à avoir l'habitude. Il y en a un autre, hein. Oui. Voilà. Oh! Il vient d'où, lui? Bon, bref. Où j'en étais, moi? Parce que du coup, là, je suis à l'entrée du temple. Et ben au final, donc on a... À l'entrée, en fait, ça nous donne 7 œufs. Cet œuf qui permet, si on le jette à ses pieds, de se téléporter à la ville. Donc je l'avais montré dans la précédente vidéo, mais étant donné que c'est à ce moment-là en fait que ça bloque, que la vidéo déconne complet et que ça fait crasher mon ordi, c'est justement au moment où j'utilise cet œuf. Donc voilà. Ça aurait été, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment bien parce que ça permet de se téléporter directement au village, de déposer ce qu'on a en trop, par exemple, hein, chez nous. Et voilà, c'est vraiment chouette, n'empêche l'éclairage. J'avais pas vu ça. Bast. Et oui, où j'en étais. Et du coup, je pense que je vais pas l'utiliser. Hein. Je vais le garder dans l'inventaire, mais il restera là où il est. Parce que j'ai peur que ça me corrompe une autre vidéo de plus. Donc voilà, on a juste fait la partie pour que vous voyez bien le chemin, quoi, pour que ce soit logique. Et normalement, je vous ai quitté par là, donc je vous laisse avec la dernière vidéo du coup. Et la prochaine fois, ben on commencera le temple de la forêt, donc premier temple. Je garde ça pour l'épisode 3. J'espère que cet épisode, bien que ben, un peu ressemblant au dernier, étant donné qu'on a fait pas mal du village, j'espère néanmoins qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3 au temple de la forêt, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!